laisse-moi deviner, t'es encore resté scotché à la console? Ben non, j'aurais bien aimé, mais non. J'ai bossé toute la nuit sur la traduction de cette fichue notice et j'ai pas terminé. C'est une notice de quoi? En fait, c'est censé être un grille-pain. Mais là, il y a marqué « In the coach blavé », ce qui veut dire « rester dans la voiture ». Alors, je ne comprends pas. Ben, c'est peut-être un grille-pain de voyage. J'en sais rien et à vrai dire, je m'en fiche. J'en ai ras-le-bol de ces traductions, ras-le-bol du Sildav et surtout, ras-le-bol de mon éditeur. Ah, l'affreux Kropov. Ben, t'as qu'à l'envoyer promener et après tu te lances, t'écris ton roman. T'en rêves depuis une éternité. Mon roman, tu parles. J'ai toujours pas de personnage principal. Ah, ben ça, c'est pas difficile. Il suffit de trouver une héroïne fougueuse qui se bat contre les méchants et qui aide les gentils. Ouais, je sais pas. Allô? Benek Kropov. Oui, bonjour. Être déjà 8 heures et je pas reçu traduction vote. J'ai beaucoup contrarié. Notice traduite sur mon bureau ce soir ou moi pas payé. Good? Oui, good. Vous l'aurez ce soir, monsieur Kropov. Je l'espérais. Courage, man. Franchement, il y a des moments où il faut savoir dire non. Ta mère, elle devrait se rebeller. Ouais, je suis bien d'accord. C'est pas normal de se laisser marcher sur les pieds comme ça. Eh, dis donc, c'est pas un éclair au chocolat que je vois là? Allez, file-moi ton dessert. Qu'est-ce que tu disais à propos de ta mère, déjà? Par ordonnance personnelle, moi, Kropot le chauve, j'exige que vous ameniez en mon château 2 cochons de lait, 3 poules 19 kilos de navets et 3 notices de balistes traduites en latin. Non, allons-nous laisser Kropot le chauve nous affamer et surtout nous forcer à traduire de stupides notices en latin? Alors, la gueuse, ça avance. Oui. Je espérais travail à force. Je ne fais que ça, monsieur Kropov, je ne fais que ça. Ce gros troll de Karine te pique tous tes desserts depuis le début de l'année et toi, tu te laisses faire. Ben, faut me comprendre. C'est qu'en fait, elle me fait peur avec ses grands pieds et son sourire carnassier. Mais enfin, tu la connais depuis la maternelle. Ben oui, justement. Elle me fait peur depuis la maternelle. File-moi ton goûter. File-moi ton ballon. File-moi tes feutres. Je sais que je suis lâche, mais bon, j'ai jamais osé lui tenir tête. Jamais, hein, je sais pas comment faire. C'est simple, demain t'as qu'à pas lui donner ton dessert. Tu lui dis non et puis c'est tout. 3, 2, 1. Ça va? Bof. Tu as terminé ta traduction? Bof. Et t'as réussi à envoyer balader Kropov? Bof. Ok, bon, je vais fermer toi. Bof. La flemme. Alors, qu'est-ce que t'as décidé? Tu vas te faire taxer ton dessert par Karine une fois de plus? Non, pas aujourd'hui. Ah, tu vas enfin affronter l'ennemi. Bravo. Alors, ma petite poule, crêpe au sucre ou ananas au sirop? Rien, pas de dessert, merci. Hein? T'as capté l'idée géniale? Bah, tu prends pas de dessert? Ben non. Et du coup, Karine non plus. Et toc. C'est pas vraiment ce que j'appelle affronter l'ennemi. Hé, hey, la naine, file-moi ton dessert. Ah, ben zut, aujourd'hui j'en ai pas pris, j'avais pas très faim quoi. Dommage, hein. Hé, hey, Rosemary, qu'est-ce que j'apprends? Lou n'a pas eu son dessert, mais c'est hyper injuste ça. Bah,
Ma petite poule, faut savoir. Alors, crêpe au sucre ou ananas au sirop? Crêpe au sucre. Eh, allez, file-moi ton dessert. Toujours aussi trouillard. Allez, à bouler les tortillas, les enchiladas, les faritas et surtout la traduction des plantes de la Milano. Plus vite. Eh, mon... Ça va? Bof. C'est quoi tes soucis? Tu veux m'en parler? Voilà, j'ai une copine au collège et à la cantine, elle mange jamais son dessert. Ah bon? Pourquoi? Elle fait un régime? Non, mais le problème, c'est qu'elle se le fait piquer tous les jours par une fille pas sympa. Elle se fait racketter, quoi. Ben oui. Ma copine, elle en a assez, mais cette fille, elle lui fiche la trouille. Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Pas grand-chose, à part surmonter sa peur et dire « basta, ça suffit ». Un peu comme toi avec Kropov et ses notices. Voilà. Tu connais pas sa BD? Je te la prête. Bonjour, mesdemoiselles. Aujourd'hui, compote, yaourt et la grande spécialité du chef Ivan, le vetnik. Je serais vous, je serais pas. La dernière fois, même les souris de la prof de biologie n'ont pas voulu des restes. Génial. Ça me donne envie d'essayer. File-moi ton dessert. Oh non, c'est pas sympa. Moi qui me faisais toute une joie de manger cette délicieuse pâtisserie. Ok, tu peux te la garder. Victoire. Pour la première fois depuis la rentrée, je peux manger mon dessert. Bravo. Régale-toi, ma grande. Tiens, il n'y avait plus de pain au raisin. Du coup, je t'ai pris une brioche. File-moi ton goûter. Non, t'es là? Dans la salle de bain. Je peux te parler? Bien sûr. Tu sais, la fille qui se fait piquer ses desserts? Ben, en fait, c'est moi. Quoi? Mais je vais aller lui dire deux mots à ta racketteuse, moi. Non, laisse, je vais me débrouiller, même si je sais pas encore comment. Elle me file vraiment les chocottes, hein. J'en fais des cauchemars. Ma loulou, si tu veux, je peux te raconter une histoire pour t'échanger les idées, comme quand tu étais petite. Oh oui, c'est vrai que ça marchait à tous les coups. Comment elle s'appelait déjà ton héroïne? Ciborga? Sidera. Oui, Sidera, la baroudeuse du cosmos. Oh, je l'adorais. Tu veux que j'y aille? Laisse, c'est Kropov, il a déjà appelé 14 000 fois aujourd'hui. Il faut que je réponde. Bene Kropov. Nie traduction, moi recevoir. Je maximum colère, être. Quand je maximum colère, être. Je perdre mes cheveux. Je chauffe à cause de vous. Je ferme maintenant liste mesure de rétorsion. Que je prends notre... Vous avez demandé le secrétariat général galactique de notre empereur bien-aimé, Von Kropov. Déclinez votre identité. Adresse, numéro de sécurité sociale galactique. Et nous vous J'espère que vous avez terminé la traduction du plan d'attaque secret des rebelles. C'est en Aldébaran antique, c'est très compliqué. Ah oui. Eh bien, ce qui ne sera pas compliqué, c'est votre désintégration pour non-respect des délais, chère petite. Quant à toi, file-moi ton dessert. Non! Ça suffit! Garde! Saisissez-vous l'air! Désintégrera le plus lentement possible pour faire exemple édifiant. Mais qui êtes-vous? Je suis Sidera, la baroudeuse du cosmos, et je vous donne ma démission sur le champ. Et maintenant, Sidera, qu'est-ce qu'on va faire? La liberté et les aventures nous attendent, petit.
la liberté et les aventures. Quoi vous dire? Je dis, ça suffit. Vous n'aurez jamais votre notice. Stop, fini, basta. Et si vous êtes sage, la prochaine chose que vous lirez de moi, c'est un roman de science-fiction. T'as trop assuré? Mais pour l'argent, comment on va faire? Bof, t'inquiète pas, je suis une des seules traductrices de syllabes au monde. Je trouverais bien du travail ailleurs que chez Kropov. Tarte aux fraises? Tarte aux fraises. Hé, file-moi ton dessert. Non. Quoi? Ça suffit. T'auras plus jamais un seul de mes desserts. Qu'est-ce qu'elle me dit, la micro-punaise, là? Elle te dit qu'elle en a assez. C'est fini, stop, basta. Bon, si tu le prends comme ça, ok. De toute façon, les gâteaux, c'est pour les mauviettes. Yeah! À moi la liberté et les farandoles de dessert. Bah, tu manges pas ton dessert? Bah, non. Tu sais, moi, les gâteaux, en fait, c'est pas mon truc.